Salut les choux! Alors j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très 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 bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du fait de comment est-ce que je me suis retrouvée sur le site Lacoste. Faut savoir que je fais cette vidéo là parce que j'ai vu que la vidéo que j'ai fait dimanche dernier vous a beaucoup 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 plu. Donc je me suis dit on va continuer sur cette lancée et on va continuer la série. Et moi ça me fait toujours du bien de partager mes expériences avec vous. Et oui, j'ai changé de coiffure, je me renouvelle. On va aller sur des tresses, c'est l'hiver, il fait froid. Donc je vais me présenter quand même brièvement. Enchantée, moi je m'appelle Exaucé. Je suis mannequin élite modèle look depuis maintenant 4 ans. Je suis en deuxième année de droit. Et je suis entrepreneuse dans les milieux de la mode. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Oui, voilà. Donc, sur cette chaîne YouTube, on parle de lifestyle, de modeling, il y a des story time. Donc, c'est une chaîne très, très, très dynamique. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Donc, et on se suit sur les réseaux sociaux, je suis très active dessus, donc on se retrouve là-bas. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je prends toujours le temps de répondre, même si c'est parfois c'est un peu long, mais je réponds quand même toujours. Donc, on peut enfin commencer. C'est parti. Donc, on peut commencer. Pour le site Lacoste, on recommence depuis le début. Donc, je reçois un mail de ma bookeuse chez Elite, et elle m'envoie un mail, elle me dit tu sais voilà, j'ai une option Lacoste pour toi qui se déroulera tel jour. C'était pendant le confinement, c'était l'un de mes c'était le premier job d'après confinement, c'est-à-dire que entre mai et juin, je sais plus c'était quand à la fin du confinement, mais c'était mon premier job. Elle m'envoie un mail, elle me dit voilà, j'ai une option pour toi pour Lacoste, est-ce que tu serais disponible? Et donc je dis oui. Alors, faut savoir que dans cette vidéo, j'emploierai beaucoup de mots relative au monde du mannequinat et je ne les détaillerai pas souvent. Donc, si vous vous perdez un peu, j'ai fait une vidéo où je vous explique les expressions du monde de la mode. Je vous mettrai en bio, je vous mettrai le lien en bio. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça vous facilitera la compréhension. Donc, voilà. Et je dis OK pour l'option. Donc, maintenant que j'ai dit OK pour l'option. Maintenant que j'ai dit OK pour l'option, j'attends la réponse et tout parce que je me dis, ouais, c'est quand même Lacoste et tout, c'est quand même une grande marque. Et donc, bah, quelques jours après, l'option est confirmée. Donc, l'option est confirmée, elle m'appelle, elle me dit, c'est OK, t'es confirmé pour Lacoste, le shoot se déroulera telle date. Et moi, je suis en mode. Je viens de sortir de 2 mois, je suis bloquée chez moi, j'ai cours à en correspondance. Enfin je respire, enfin j'ai quelque chose. Parce que c'était vraiment compliqué pour les mannequins pendant le confinement. C'était vraiment chaud, tout était annulé, tout le monde attrapait Covid. Bref, donc je reçois mon mail avec les détails. On reçoit un mail quand même complet avec les détails, le nom du photographe, le lieu, la paye et tout, etc. Non, je ne vous le montrerai pas. Ok. Et donc c'était une grande journée, c'était quand même une grosse journée de shoot. Je crois que ça commençait à 9h et ça finissait à 19h parce qu'il y avait 60 refs. 60 refs, ça veut dire 60 vêtements à shooter individuellement. À shooter individuellement dans différentes poses, différentes attitudes, c'est-à-dire que tu vas avoir le vêtement en portrait en grand, on va te faire les détails, on va te faire le dos, on va te faire le côté. Bon, voilà, je vais vous montrer les photos que j'ai. Donc ça c'est un peu, c'est 60 vêtements comme ça, donc c'était quand même une journée super chargée. Donc j'arrive, ce qui est bien c'est que dans les shoots les équipes sont vraiment toujours adorables. Donc j'en rencontre l'équipe, j'en rencontre le photographe, la directrice artistique. Directrice artistique, les deux stylistes, la maquilleuse, donc tout se passe bien. Donc, bon, là c'était un shoot très sportif, donc la maquilleuse elle m'a maquillée très légèrement. C'était vraiment, mais vous allez voir que dans le monde du mannequinat, quand on fait des shoots, c'est toujours super léger. Soit c'est vraiment incroyable, genre c'est vraiment artistique de. Vraiment artistique. Soit c'est très soft, très léger. On essaye vraiment de faire ressortir ta beauté naturelle parce que bah, tu es belle.
tu es belle et je suis belle, ok. Et donc c'était un maquillage très très soft, donc ça collait vraiment avec le thème sport. On commence le shoot, c'était bien parce que j'ai pu voir vraiment les trois univers de Lacoste, parce que Lacoste ça c'est un peu divisé en trois univers. Il y a un côté très streetwear, on va dire très streetwear, très Lacoste, voilà. Il y a un côté un peu plus habillé, on va dire. Et un autre côté un peu plus luxe, on va dire sport et tout. C'est une marque quand même un peu sportive et tout, etc. Mais un peu sportwear, un peu plus luxueux. Genre, c'est pas des trucs que tu vas mettre pour aller faire du sport. Il y a des vêtements Lacoste, tu les mets même limite à des fêtes. Genre, bon, j'exagère, mais voilà, vous avez compris un peu. Donc j'ai pu voir comment ça se passe et tout, enfin les différents univers, vraiment les différencier, parce que bah, moi Lacoste c'est les polos, comme pour beaucoup de personnes. Pour moi c'était vraiment que les polos. Je savais que c'était une grande marque, mais pour moi c'était que les polos. Donc j'arrive, voilà, on montre un peu les différents univers. Il m'explique, il me brief, parce qu'il y a toujours un moment où on t'explique un peu l'histoire, on appelle la story et tout. On te dit, voilà, c'est une marque de sport, on veut. Ils me disent que oui, on veut du mouvement, on veut du fun, du dynamique et tout. Faut vraiment que les vêtements ils bougent, parce que bah, c'est une marque sportive. C'est pas comme si c'était du Chanel où tu dois être un peu plus posé, un peu plus glamour et tout. Donc ils me disent qu'il faut quand même du sport. Donc vous allez voir les photos, bah, je saute, je truc, je tourne et tout. Donc on commence, tout se passe bien. Comment tout se passe bien, l'équipe elle est vraiment fun, on met de la musique, donc je commence à toutes les séries, donc ça a fait, on a fait des photos de 9h à 13h, 13h on a marché, on a mangé, et ensuite de 14h à 19h c'était des photos, différentes actions. Il y avait des pantalons, il y avait des jupes, il y avait des polos, il y avait des t-shirts, il y avait des casquettes. Il y avait des baskets aussi, je crois. Il y avait des chapeaux. Vraiment, c'était vraiment un shoot très, 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 très dynamique. C'était vraiment génial. Parce que j'oublie des trucs. Je vais vous mettre des images. Et ce qui était trop bien, c'est quand c'est sorti, j'étais partout. Vous voyez, quand vous êtes sur des sites, Marmiton et tout, vous descendez. Et puis, vous voyez un petit onglet publicité et tout. Et tout le monde m'envoyait des captures. Il faut que je retrouve les captures, s'il vous plaît. Faites que je ne les ai pas supprimées. Des captures, oh mais c'est Xosé qui est là, oh ma soeur elle est là, ma pote elle est là, on t'a vu sur le site Lacoste, oh c'est toi sur le site de ma marque préférée, oh je suis choquée, je suis trop contente pour toi. En fait c'était trop bien, c'était trop bien. Genre j'étais sur le site, mais je me voyais partout sur le site, parfois je me disais mais je pense que je vais tout acheter. Vous voyez, tout ce qu'ils m'ont payé, j'avais envie de tout acheter les vêtements parce que j'étais dessus, j'étais trop fière. Mais trop fière. En fait, c'est vraiment une fierté incroyable de se voir. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est une fierté incroyable de se voir sur les sites des vêtements où tu vois les autres d'habitude. Donc là, je me voyais. Ma maman était contente, mon papa il était content. J'avais une série. J'étais tellement heureuse que j'ai téléchargé toutes les photos. Et croyez-moi, il y avait 75 photos, je crois. 75 photos. Voire plus sur mon téléphone, un iPhone. Donc ça a pris toute ma mémoire, j'avais même plus de place, mais j'étais super contente. Donc je vais vous mettre quand même un aperçu des photos. Je sais pas s'il y a certaines photos qui sont encore là. J'ai fait Lacoste deux fois, si je me souviens bien. Oui, je pense que je l'ai fait deux fois. J'ai fait deux fois Lacoste. Et les deux fois, ça s'est passé à peu près de la même manière. Ça s'est très bien passé. Et je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Et donc n'hésitez pas à aller voir le premier épisode de la série dans lequel je vous raconte mes expériences dans le mannequinat, en fait mes différents shows dans le mannequinat. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien dans la bio. Et je pense que je vais continuer un peu sur la lancée. Enfin, dites-moi si ça vous plairait. Si ça vous plairait que je vous raconte encore plus, par exemple. Quand j'ai été beaucoup sponsorisée par Daily, quand j'ai fait mon shoot Daily Paper où on m'a beaucoup vu sur Instagram, ou peut-être quand est-ce que j'ai fait ma campagne Grand Optica. Si vous voulez une vidéo dessus, dites-moi dans les commentaires et je vous la ferai. Donc je pense que c'est tout. Si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je réponds toujours à mes commentaires. Venez aussi sur les réseaux sociaux. Revenez sur les réseaux sociaux, vous m'envoyez un message, je vous les mets quelque part là.
envoyez-moi un message, comme ça on pourra parler. Mais s'il vous plaît, essayez de me mettre, de me faire un message complet, comme ça je réponds d'un coup, parce que j'ai beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et j'essaie de toujours de vous répondre, mais parfois je vous perds et tout. Donc n'hésitez pas à me faire un gros pavé, bonjour Exocine, nanana, ma question est ceci, nanana, et moi je vous répondrai. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai parlé de pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Mettez un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très, 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 très active dedans. Dessus. Et on se dit à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Canada, bisous les choux.